Привет, как дела? Хорошо или плохо? Так себе. J'espère que vous allez bien tous. Et j'espère que vous êtes là, vous avez une bonne humeur et vous êtes là pour apprendre les nouveaux thèmes. Aujourd'hui, je me suis dit qu'on va apprendre les groupes des verbes qui existent dans la langue russe. Groupe de verbes, ça signifie spряжение. Ce mot, j'ai écrit ici. Спряжение. Спряжение. Спряжение, c'est le même que le groupe. Donc, on a deux groupes dans la langue russe. Le groupe numéro 1, le groupe numéro 2. Ou on dit, quand on parle en russe, спряжение. Один, спряжение, два. Один, ça signifie un. Два, ça signifie deux. Donc, voilà. Prenez vos cahiers, prenez vos stylos. On va écrire pour après utiliser ce tableau. Quand on va essayer de prononcer les verbes dans les formes différentes, avec les pronoms différents. You. On commence par le pronom le plus facile, le pronom ya, je. On prend avec vous le premier groupe et on dit que dans le premier groupe, les verbes vont finir par ou par you. Qu'est-ce que ce tableau représente? C'est comme, par exemple, on prend en français le mot manger et on dit je mange avec e à la fin, tu manges avec es à la fin, il, elle mange avec e à la fin. Oui, c'est ça? Ici, on dit en russe que ya, ta ta ta, avec o à la fin ou avec you à la fin. Donc, ça appartient au premier groupe. Ti ou toi, fini par yesh. Yesh. Après, on prend la troisième personne. Donc, c'est la première personne singulière, treizième, deuxième, troisième. On, Anna ou Anno. Avec la fin. Yet. Yete. Après, on prend avec vous la première personne masculin, pardon, pluriel. Donc, c'est мы, nous. Donc, avec la fin, yema. Vous comprenez, n'est-ce pas? Les verbes qui se finissent par ou, you, yesh, yet, yem. Deuxième personne, comme on dit en russe, forme pluriel. Fini par yé, tiens. Et représente le pronom vous, donc vous en pluriel. Tac, très bien. Troisième personne pluriel. Annie. Je vous ai déjà dit que Annie, c'est comme il ou comme elle. On n'a pas de séparation entre femme et homme. On dit en général Annie, il, elle. Annie avec la fin août, yout. Comme je vous ai dit, écrivez ça dans votre cahier. Ça va vous aider beaucoup dans le futur. Voulez-vous qu'on fasse comme ça? Je pense que ça sera bien. Voilà. Donc, deuxième groupe. Deuxième groupe. Avec le pronom ya, la fin sera o, you, pareil. Après, t, avec la fin ish, ish. On, Anna, Anno, avec la fin it. O, you, ish, it. Après, on parle de mi, nous. Им, вы, ите, и они, ат, ят. Ce sont des fins des mots. Vous pouvez les utiliser. Pour vous définir. Comment vous pouvez comprendre
à quel groupe le verbe peut appartenir. Vous regardez sur la forme de chaque verbe, la forme neutre. Forme neutre, qu'est-ce que c'est? C'est le verbe qui se finit par exemple, je vais vous écrire, je vais vous expliquer. At, quand vous voyez t à la fin du verbe, c'est la forme neutre. C'est comme manger, boire, marcher, vivre. C'est, je vous dis maintenant, je vous nomme maintenant les formes neutres. En français, elles finissent par des, je vais dire, la fin sont un peu différents. Elles peuvent finir par RE ou par exemple ER. Mais en russe, elles se finissent par TU et avec une lettre avant TU. Par exemple, AT, OUT, YAT, ou 8, ou même par exemple yet. Quand vous voyez les verbes avec ces fins, vous pouvez dire que ce sont les verbes du premier groupe. Et dans la plupart des cas, quand vous voyez la fin it, ce sont des verbes du deuxième groupe. Tac, qu'est-ce qu'on va faire avec vous? J'aimerais bien maintenant de vous écrire des exemples. Regardez, je prends un autre stylo si vous n'êtes pas contre. On va voir avec vous des verbes. Je vous donne le verbe lou bit. Любить. Vous voyez que ce mot se finit par it. Vous comprenez que ce mot appartient au deuxième groupe. Donc, ça signifie aimer. Attention aussi à une chose, que quand on commence à réformer ces mots avec des pronoms, on peut ajouter des autres lettres avant ses fins. Par exemple, on prend le mot lubit. Comment on dit j'aime? On dit lou b lou loublou. Ya loublou. Ya loublou. Après, ti lou biche. Я люблю, ты любишь. Après, on, она, non, on va prendre seulement on et je vais vous écrire on lou bit. On lou bit. Après, on va écrire avec vous мы lou. Bim. Vous loubitiez. On prend ce base, loub, et on ajoute loubitiez, Annie, loubiat. On prend cette forme. Donc, vous loubitiez. Ok? Et je vais vous écrire ici parce qu'on n'a plus d'espace. Annie, Lou, Beat. Annie любит. Я люблю, ты любишь, он любит, мы любим, вы любите, они любят. C'est comme ça comment on fait des formes des verbes. Donc, c'est bien que vous avez écrit cette forme, ce tableau dans vos cahiers. La prochaine leçon, on va prendre avec vous des verbes. On va essayer de construire des formes différentes
de ces verbes. Et on va aussi apprendre avec vous dans les prochaines leçons les formes qui sont particulières. Les verbes qui sont particulières et qui vont, je veux dire, dehors, qui sortent dehors de ces groupes, qu'il faut vraiment apprendre par cœur. Je vous dis au revoir pour aujourd'hui et on va se revoir avec vous l'autre fois. Ciao, paka.